Alors, je me présente. Je suis Gérard de Colombière. J'ai acquis le château, à Château-l'Évêque, seulement depuis un an, au mois de juin 2016. Je m'investis totalement, financièrement, pour restaurer ce bâtiment qui offre un intérêt historique primordial pour la région. Aujourd'hui, je fais appel à votre bienfaisance en organisant ce crowdfunding pour restaurer ce frontispice, le frontispice de l'entrée principale, de l'entrée sud du château, par laquelle tous les grands personnages de l'époque sont passés, y compris Saint-Vincent de Paul, qui fut ordonné prêtre ici le 23 septembre 1600. Ce frontispice a subi un martèlement important au moment de la Révolution. Les armoiries épiscopales furent martelées, naturellement, comme le reste. Un saint décapité, les signes également, l'intérieur de l'accolade également bûché. Aussi, les pilastres de soutien ont été endommagés au point qu'il a fallu construire au 19e quelque chose, une solution de remplacement, de provisoire en maçonnerie qui n'a rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Et donc le but est de lui redonner sa splendeur. Déjà il est fort apprécié par les visiteurs qui tous le photographient, remarquent sa beauté malgré tous les outrages qu'il a subis. Alors j'espère qu'il y aura des personnes sensibilisées par cette action, car ce château est important historiquement. C'est l'ancienne résidence des évêques de Périgueux. Il fut d'abord forteresse pour protéger la ville de l'envahisseur au moment de la guerre de Cent Ans, et puis à partir de la Renaissance, une résidence de plaisance, et à la fin du XVIIIe, leur résidence continuelle. Donc, ce château est situé entre Périgueux et Brantôme. C'est une très belle situation qui intéresse beaucoup de visiteurs et beaucoup de personnes concernées par le patrimoine et l'art en Périgord. Je remercie à l'avance tous les donateurs, chaque donateur qui sera intéressé, ému par cette situation de sauvegarde, parce que ce bâtiment se détache, et les contreparties seront indiquées sur le site des D'Artagnan, me faisant un plaisir d'offrir à chacun d'entre vous, selon le don qu'il aura fait, une contrepartie, un présent, quelque sorte, à la hauteur de ce don. Je vous remercie infiniment et j'espère à très bientôt.